Salut les goules, ou rebonjour, ça dépend. Après avoir fait ma vidéo sur la présentation de Perséphone et Mélodie, j'ai eu une petite idée. Si je faisais l'arrivée de Perséphone et de Mélodie à Monster High, donc bah voilà, ce sera sur ça la petite vidéo. Bon bah sur ce, regardez la vidéo. On retrouve la goule préférée à l'endroit où Laguna avait fait sa pauvre petite déprime. Je me souviens la dernière fois qu'on est venu ici. C'était quand Laguna avait fait sa pauvre petite déprime dans le gâteau. Tu te souviens, Laguna? Cléo, s'il te plaît. Je te conseille de ne pas la ramener. Tu commences à m'énerver sérieusement. C'est bon, je plaisante. Personne n'a d'humour ici, de toute façon. Personne ne peut s'abaisser à mon humour. Cléo, tu commences à nous énerver sérieusement, là. Si c'est ça, c'est toi qui vas... Claude, aide-moi, tu peux rien à dire. J'en ai rien à foutre. Oh, t'es vraiment pas un cadeau, toi, Claude. Hein. Eh ouais, c'est bête. Oh, mais arrêtez de vous disputer. À chaque fois qu'on vient ici, c'est juste pour se clasher. J'en ai marre de se clasher. Qu'on se clashe. Ben nous, ça a raison. Il faut qu'on arrête tout le temps se clasher. Comme elle le dit si bien. Claudine, ça va? J'ai comme un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, regardez bien. Je sais pas, je vois rien, moi. Normal, t'es trop loin, Laguna. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là! J'ai failli tomber. Oh non! Qu'est-ce qu'elle vient de foutre là? Qu'est-ce qui t'arrive, Laguna? C'est Perséphone et Mélodie, je crois. Qu'est-ce qu'elle vient de foutre là? Je savais pas qu'elle venait. Moi non plus. Si elles sont là, ça veut dire que t'auras allé pas très loin. Oh non. Ça n'annonce rien de bon. Perséphone, tu me rappelles ce qu'on vient foutre là? C'est Auralée qui nous l'a demandé. Elle dit qu'elle nous rejoindra plus tard. Ouais, bah, ça fait déjà super longtemps qu'on est ici sans rien. Elle dit qu'elles étaient là. Qu'elle les a vues ici. Elle les a vues, ouais, tu parles. Je suis même sûre qu'elle nous a menti encore une fois. Ah, elle m'énerve. Non, bon. Si elle nous a envoyé là, il y a bien une raison. Oh, mais arrête avec ta queue, là. Je vais finir par te la couper. Oh, c'est bon, toi aussi, t'en as une. Oh, attends. Oh. Perséphone, regarde par là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Lève un peu la tête. Non. Je crois qu'on les a trouvés, Mélo. Ouais, je reconnaîtrais ses jambes entre mille. Ça y est, c'est notre mission qui commence ici. Oh, trop cool. Et vu que pour nous, Torales, c'est un peu de science. Enfin, oh là là, qu'est-ce qu'il m'énerve. Il paraît que Frankie va aussi pas tarder à venir. Oh là là. Oh, je sens qu'on va s'amuser, Méolétie. Je sens qu'on va s'amuser. Ouais. Enfin bon, ça vaudra pas Monster High quand même. Oh, c'est le lycée, Monster High. C'est là, enfin voilà, tu vois. Tiens, ça vaudra pas. Oh, puis tu m'énerves à tout le temps râler. On est là pour s'amuser. S'amuser. Ouais, t'as raison. S'amuser. Viens, on va s'amuser. Je sens que ça va se corser à Monster High. Je ne sais pas, c'est quelque chose me dit, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Si elles sont là, Torale n'est pas loin. Et là, je sens que ça va être pimenté, les journées. Bon, ça va mettre un petit peu d'ambiance ici. Ce sera mieux. Ouais. Du moment qu'elles ne prennent pas ma place dans ma chambre, ça ne me dérange pas. Parce que tu crois qu'elles vont aller à la maison? Non, mais t'as fumé quoi, toi? Moi, je vais bloquer l'œil dans ma chambre. Ça me dérange pas. Claude! Tu m'énerves! Tu commences à m'énerver! Oh! Je plaisantais! Désolée. Tu m'aimes? Mais oui, Laura. Dracula! Ouais, Dracula. Oh, les voilà qui arrivent. On va commencer à rigoler.
Vénus, tu parles bizarre. Ouais, je sais, je sais pas ce qui m'a pris. Je crois que je commence à parler comme elle. Perséphone, Mélodie, que nous vaut le plaisir de votre visite? Bah écoutez, mes chers, vous nous manquiez. Non, je déconne. On avait juste envie de s'amuser un peu. Où est Thoralée? Thoralée, elle a préféré rester là-bas. Enfin, elle nous a lâchement abandonnés. On n'est que des petits chats errants dans la rue. Vous voulez pas nous accueillir dans votre maison? Dans votre jolie petite maison? Hors de question. On ne vous accueillera jamais, ok? Vous avez vu tout ce que vous nous avez fait subir à Monster High? Franchement, là, on est libre. Libre. Et si on est même libre de vous chasser. Au collège, enfin, au lycée, navré, on n'avait pas l'opportunité de vous chasser. Parce que Madame Sortette nous aurait chopé. On n'avait pas l'opportunité de vous mouiller pour que vous vous cassiez en courant. Là, on pourra. Quelqu'un de l'eau? De l'eau, comment il s'est petit chaton? Claudine. Hé, hey, Laguna, t'as de l'eau? Je suis peut-être la fille du monstre des mers, mais je n'ai pas de l'eau sur moi, voyons. Tu réfléchis parfois, Claudine? Oh là 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 là. Enfin bref, non, nous, on ne vous accueillera pas ici. Il y en a bien une qui voudra bien nous accueillir, non? Personne, allez-vous-en. Les filles, moi je vous ai toujours bien aimées, vous savez. Cléo? Toi? Mais après tout ce qu'on t'a fait? Justement, je trouvais ça trop mortel. Ça vous dit que je remplace Thoralée pendant qu'elle revienne, cette lâche? Elle a tellement pas d'amis, cette pauvre petite chatte enragée. Tu copies pas un peu sur Spectra là en disant chatte enragée? Ouais, peut-être un peu. Cléo! Pourquoi? Non mais attendez, vous croyez vraiment que j'allais rester avec des losers comme vous? Non mais vous avez fumé quelque chose là, c'est pas possible. Vous avez fumé du papyrus. Oh là 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 là. Bon alors les filles, ça vous dit? On est d'accord. Claudine? Quoi? On partage la même chambre, non? Ah non! Non 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 non! Elles résideront pas dans notre chambre! Bien sûr que non. Mais, enfin si. Et toi tu vires. Quoi? Pas question. Ici c'est quand même Draculaura la chef, donc c'est à elle de décider. Draculaura! Perséphone, Mélodie, vous pouvez pas. Et c'est pareil, Cléo. Claudie ne peut pas s'en aller. Merci Draculaura. Donc, Cléo, je suis vraiment désolée. Mais je resterai dans cette chambre. Ouais, si t'es pas contente, c'est toi qui vas t'en aller, ok? Oh, d'accord. Vous le prenez comme ça. Si on est vraiment des fardeaux pour vous, on va s'en aller. Non, Perséphone, ne prends pas comme ça. C'est juste elles qui ne savent pas ce que c'est les vraies amies et la vraie gentillesse. Nous sommes si gentilles, pourtant nous avons vraiment changé. Mais bien sûr, on vous croit tous. Cléo, si tu veux tous nous trahir, c'est ton choix. Et si tu veux vraiment parler pour une peste et ne plus jamais pouvoir revenir à la maison Monster High, c'est toi qui vois. Ce n'est pas mon problème, ni celui de Vénus, de Draculaura, de Claudine, ni de vous deux, petite peste. Alors va-t'en et ne reviens plus jamais. Je ne sais pas du tout où est-ce que vous allez aller. Nous, on a l'habitude d'être des chats errants dans la rue. C'est trop cool. Ça marche super bien, ce plan. Et comme ça, on aura la maison pour nous toutes seules. Oh, ce sera vraiment super. Qu'est-ce que vous baragouinez toutes les deux? Oh, nous, rien. On disait qu'on adorait vraiment Cléo. Bon, Cléo, viens-tu? Avec grand plaisir, les filles. Je ne reviens pas qu'elle peut nous faire ça. C'est vraiment trop. Dégoûtant. Crache toute la salive que j'avais dans mon corps. Oh. Non, Laguna. On ne peut pas rire là.
T'as bien vu ce qui s'est passé? T'étais là! C'est même toi qui lui as parlé le plus! Cléo ne reviendra plus ici. La maison devient de plus en plus petite. Mais n'empêche, j'ai ma chambre pour moi toute seule, c'est trop cool! Donc qu'elle ne revienne jamais. Wouhou! Aïe! Ah, ma chambre! Oh non, pourquoi mon moment de liberté s'arrête? Je me suis cassé la chambre, je crois bien. Oh, mais non, mais tu t'es rien fait. Si, je crois que je me suis cassé la chambre. Oh là 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 là. Tu es vraiment trop stupide, Crowdy. Non, c'est trop triste. Que va-t-il se passer ensuite? Vous saurez ça dans la partie 2. Désolé, s'il y a eu une coupure à un moment du film, parce que le téléphone a sonné. Et deux, désolé s'il y a une... Parce que le téléphone s'est cassé la gueule, en fait. Donc c'était un petit peu chiant. Bon, ben voilà. Bisous.